le 19 juillet 2017, en fait, on sera sur le parc d'attractions littéraires à Pantin. Et on nous a demandé, en fait, on nous a donné une carte blanche. La thématique, en fait, de cette année par rapport à la manifestation Partir en livre, en fait, c'est le jardin. Il y a quelques années, pour le salon du livre de la presse jeunesse, j'avais fait un jardin extraordinaire un dimanche matin pendant toute 1 heure et demie où j'avais invité, en fait, des copains illustrateurs à partager ce jardin extraordinaire avec moi devant un public. Et là, en fait, comme on a eu carte blanche avec ma petite équipe, en fait, parce que je suis très groupe et je suis très collective, j'ai partagé, en fait, ces futurs 20 mètres, donc avec deux autres illustrateurs. Pas que des illustrateurs, en fait, c'est vraiment des artistes, des plasticiens aussi, des auteurs. Donc Judith Gueffier et Marc Dagneau, on va faire 20 mètres de dessin en noir et blanc, à colorier, par le public, en fait, du 19 juillet, donc l'inauguration, en fait, et le lancement de cette manifestation. Et le dessin en noir et blanc, donc sur les 10 mètres x 2 de palissade, en fait, va se retrouver jusqu'au 25 juillet. Nous, le matin, on va lancer, en fait, la performance, donc on va faire 5 mètres en direct. Donc un jardin à 4, à 6 mains, pardon. Et avant, on aura au préalable en fait 15 mètres de dessin en noir et blanc. Sur place, il y aura des animateurs qui vont relayer ce jardin. Donc le tout public, parce que c'est quelque chose en fait qui nous fédère et qui nous relie, Judith, Marc et moi, en fait, on ne travaille pas que pour les enfants en fait. Et ce parc d'attractions, en fait, c'est fait pour tout le monde. C'est le livre hors le livre en fait. Le livre est là, on va leur raconter des histoires. Là, c'est en grand. On va pas tourner des pages avec ce jardin, mais on va juste raconter quelque chose et passer surtout un moment joyeux, un moment à l'extérieur, un moment éphémère aussi, dans le cadre de la performance. Donc voilà, donc évidemment, il faut venir nombreux, quoi.